Salut tout le monde, c'est Neo 77 Astor pour aujourd'hui, une édition spéciale entre guillemets. Voilà, j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de mon pote de Bretagne. Hein, il se reconnaîtra tout de suite. Ce geste super top que j'ai vachement apprécié. Voilà, quelque chose qui va rentrer en décoration dans mon nouveau bureau. Donc c'est un support pour manette, mais aussi pour enfin, pour smartphone. Voilà, alors je ne sais pas où on le voit déjà. Voilà, ici. Donc on voit ici support smartphone, support manette. Voilà, avec un câble USB fourni. Alors après le câble USB, je pense que c'est du micro. Avoir la tête de la, avoir cette tête-là, je pense que c'est du USB type B, enfin du micro USB, pas du. Ouais, je dis n'importe quoi. Pas du USB type C, mais du micro USB. Donc je pense que c'est pour charger manette, etc. Donc pour que voilà, donc c'est bien, ils fournissent le câble. Après, ce qui est le plus important, c'est la figurine donc de Crash avec le masque de AKAK. Si je ne m'abuse, voilà. Aku-Aku, pas AKAK. Aku-Aku, pardon. Oh là là, quel sacrilège. Donc on va pas, enfin on va passer au déballage. Oui, on va faire un petit tour du propriétaire et déballer tout ça pour voir ce que ça vaut, ce que ça vaut réellement. Après, personnellement, à voir comme ça, je vois qu'au niveau de la peinture, c'est assez sympa. Niveau qualité, je trouve que c'est plutôt bien réussi, plutôt bien fait. Donc, on va voir ça tout de suite au déballage. Et là, en même temps, je fais un petit tour du propriétaire. Voilà. Donc, c'est marqué ici support téléphone et de manette. Maintient l'appareil pendant la charge. Après, ça le met dans toutes les langues un petit peu. Il y a 2 mètres de câble inclus. Et c'est marqué 15 ans et plus. Donc, ça pour moi, c'est bon. Voilà. Donc, on va passer au déballage. Excusez-moi, là, j'ai remonté un peu mon smartphone pour faire la vidéo. Mais c'est pas cool. Enfin, c'est pas gagné-gagné. Parce que la figurine est assez grande quand même. Et elle est vraiment, vraiment jolie. Enfin, moi, je la trouve vraiment très belle. Donc, on va passer au découpage du scotch de scellé. On va essayer de ne pas abîmer la boîte. C'est pas gagné. Ok, donc là, voilà. Tac. D'accord. Donc, hop. J'avais pas vu. Il y a un autre scotch ici. Et un autre scotch ici. Voilà. Tac, allez, c'est parti. Petit rabat ici, donc. Le câble ici de 2 mètres, donc câble USB comme ça, et du micro USB. Voilà, ça, on met ça de côté. Alors après, pour la figurine, je ne sais pas comment elle se. Ouais, d'accord. Il me semble que. Voilà, donc il y a encore un bout de scotch à l'intérieur. Voilà. D'accord, alors il y a même des bouts de plastoc qui sont hop, qui maintiennent ça. Je pense que là il y en a encore un aussi. Voilà, qu'on découpe pour plus trop avoir de problème. Je vous passe les détails. Alors, normalement, il ne va pas y avoir de problème là. Voilà, super. On va virer la boîte pour le moment. On va mettre de côté. Paf. Voilà. Voilà comment elle est. Donc, Aku-Aku, enfin le masque de Aku-Aku avec Crash Bandicoot derrière. Donc là, ce qu'on va faire, il doit y avoir, je pense. Voilà, tout à fait. Donc vous avez derrière, en fait, un bout de fil de fer plastifié qui maintient la figurine. On va essayer de rien casser. Franchement, la figurine, la première prise en main, je trouve qu'elle est super costaud en fait. Ok. Et voilà. Donc, voilà. Tac, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Voilà.
Et voici. Voilà, donc Crash Bandicoot en figurine. Donc la figurine fait en gros 20-22 cm de haut. Le socle est en plastique. Voilà. Donc au niveau des couleurs, mon pote m'a demandé s'il y avait des bavures, etc., etc. au niveau des couleurs. Donc au niveau du masque, hein, au niveau des plumes, les couleurs sont nickel. Franchement, je vois pas de bavure au niveau du masque marron, enfin des parties de planche marron du masque de Haku, enfin de Haku Haku. Les sourcils bien dessinés, les yeux, enfin ça va, le nez parfait, la bouche, les dents. Il n'y a pas de rouge qui déborde sur les dents en fait, donc ça va. Au niveau de la barbichette avec ses feuilles vertes, c'est pareil. Bon, on peut remarquer le dos, hop, là, ici, mais c'est tout à fait normal. La crête de Crash Bandicoot, voilà. Alors après, effectivement, le seul peut-être défaut, c'est au niveau de la tête où on voit un peu les collures ici. Mais alors, c'est vraiment pour être pointilleux. Après, voilà, la figurine, vous la regardez de devant, vous la regardez pas de derrière. Donc voilà, ça, c'est pas le souci. Après, à savoir si ouais, une manette rentre facilement. Après, le téléphone, ouais, je sais pas si le téléphone, si le téléphone, ça doit être bon aussi. Alors après, au niveau du pantalon, enfin du short bleu. On voit que non, ça a l'air, c'est propre. Comme, enfin, moi, je trouve personnellement que c'est propre quand même. Il n'y a pas de bavure. Ou alors très très léger, très très léger. Peut-être là ici, qu'il y a un défaut ici. Je ne sais pas si vous remarquez. Là, au niveau de sa jambe, il y a un petit point blanc, donc un manque de peinture. Mais mis à part ça, franchement, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Donc, mon ami, mon pote de Bretagne, voilà, je te remercie beaucoup pour ce geste. Ça m'a fait très très plaisir. À la revoyure pour se taper quelques bières ensemble. Et puis se faire un bon petit barbecue, etc. Donc je t'embrasse, j'embrasse la famille et tout, et je te remercie encore pour ça. Donc voilà, à tous les abonnés, merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez si vous voulez faire, si vous connaissez quelqu'un qui souhaite faire, qui a une idée, ou là, si vous avez une idée cadeau et que vous voulez partager ça à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, et mettez le pouce qui va bien, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!